Non, je fume pas, puis j'ai jamais essayé, puis j'essaierai jamais. J'ai déjà essayé de fumer, mais je fume pas régulièrement. La cigarette, c'est mal! C'est tout le temps ça qu'on dit. Mais à chaque fois qu'on dit ça, tout le monde s'en fout. Quasiment personne n'écoute. Ça coûte cher, c'est dangereux pour la santé, ça t'apportera jamais rien à part des ennuis. Mon papa, ben, il est très jeune, ma maman aussi, fait que je veux qu'il vive encore plus longtemps que mourir tôt à cause d'une crise cardiaque, d'un problème de poumon. Genre, fumer, ben, ça endommage tes poumons, puis, exemple, ça t'épuise plus quand tu fais du n'importe quel sport. Et mon frère, en fumant, il était vraiment pas lui-même. Il était un peu plus apathique, il était un peu down. Je dirais que c'est très probable que des personnes commencent à fumer à cause de, ben, genre leur groupe d'amis ou quoi. Ben, moi non, personnellement, mais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir la pression du groupe d'amis de commencer à fumer. J'ai des personnes dans ma classe que, genre, ils fument des fois parce qu'ils ont des amis qui fument. Là, on voit des trajets, parce qu'ils fument pas. La sœur d'une de mes amies, elle s'est faite dire « Fume, 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 fume! Allez, allez, allez! » Mais il l'encourageait à fumer, mais c'était pas bien, parce que la personne, elle voulait pas. Puis maintenant, aujourd'hui, elle fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a des personnes qui sont conscientes que c'est mauvais, mais qui font pareil, parce qu'ils pensent que c'est cool, et puis... Fume pas! Mais de pas fumer ou avec modération. Mon grand-père est mort avec la fumée. Fait que j'ai pas pu le temps de le connaître. Fait que j'ai aimé, je voulais le connaître, mais j'ai pas pu. Fait que... je pense à mon grand-père en ce moment en parlant de ça. C'est ça.